C'est que les joueurs actuels, en gros, c'est des questions qu'on posait à la fin des matchs, rappelez-vous. Mais quand tout va revenir. Rappelez-vous de ça. C'était le leitmotiv en disant on va attendre Zorro. Aujourd'hui, Zorro ne viendra plus, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, l'équipe, elle est consciente qu'elle va évoluer avec cet effectif-là. Et qu'il va falloir hausser notre niveau encore et travailler, parce qu'on ne changera pas, mais que ce n'est pas un joueur qu'on attendait qui va changer la face de l'équipe. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important pour les joueurs. Dans le côté, on attend, on est patient, mais on aura la solution quand tu es là. Ça aurait pu marcher ou pas marcher, vous le savez très bien. Et surtout aujourd'hui, de se dire, ah mais on va encore attendre 3 mois. Donc est-ce que pendant 3 mois, on va pas y laisser nos plumes? Non, aujourd'hui, non, cogitez plus, messieurs. Il n'y a plus d'excuses entre guillemets, ou quand Oda arrivera. Voilà, ne cogitez plus, il n'y a plus de Zorro qui arrivera. On va travailler avec cette équipe-là pour essayer d'améliorer encore plus tant les défenses que les attaques.